Top 10. Les parcs d'attractions les plus hallucinantes au monde. Top 10. Wonderland. 4. Car Düsseldorf, Allemagne. Symbole des dépenses publiques inutiles, la centrale nucléaire de Kalkar n'a jamais été exploitée car trop dangereuse pour l'environnement. Elle a alors été transformée en parc d'attractions. Ce beau pied de nez aux industriels a vu le jour en 1995 et j'étais pas née. Tous les éléments du surgénérateur ont été recyclés. Vous pourrez par exemple faire de l'escalade sur l'imposante tour de refroidissement, décorée aujourd'hui d'une fresque de paysage alpin, et même dormir dans un des bâtiments du réacteur qui abrite un hôtel. Top 9. Universal Island of Adventure, Orlando, États-Unis. Bienvenue à Orlando. Bienvenue en Amérique. La ville du divertissement offre un nombre incroyable de parcs d'attractions. L'un des meilleurs est sans aucun doute Universal Island of Adventure. Oui, bon, j'ai pas l'accent anglais, excusez-moi. Ces attractions basées sur les univers des films Universal ont été souvent récompensées. C'est le cas de Harry Potter and the Forbidden Journey, meilleure attraction de parcours scénique du monde. Une plongée dans nos films préférés comme si on y était. Mais ça, c'est génial. 8. Europa Park. Brut. En Allemagne. Élu meilleur parc d'attractions au monde lors des Golden Tickets aux États-Unis. L'Europa Park se situe à seulement quelques kilomètres de la frontière française, en Allemagne, bien évidemment. Au total, le parc compte 55 attractions, dont le célèbre Silver Star, la deuxième montagne russe d'Europe. C'est énorme, 55 attractions, au moins t'as le choix. Avec une hauteur de 73 mètres et une vitesse allant jusqu'à 130 km, elle promet de belles frayeurs. Europa Park propose aussi des attractions innovantes, comme Alpen Express, une expérience de réalité virtuelle jamais réalisée auparavant. Et bah, c'est une première expérience à expérimenter. Et l'attraction qui va s'entretenir. Ça va tellement vite, accrochez-vous. Action Park. Vernon, aux États-Unis. De nombreuses légendes urbaines entourent Action Park. Il est considéré comme le parc aux attractions les plus dangereuses du monde. Et pour cause, on y compte pas moins de 6 décès et une centaine d'accidents en 28 ans. Énorme, et plus âgé que moi. Rouvert en 2014 suite à l'engouement de nombreux internautes, le parc avait fermé ses portes en 1987 à cause d'un manque de sécurité. Aujourd'hui, les attractions coupables ont été remplacées et les contrôles sont plus sérieux. Et vous, ça vous tente? Bah, n'ayez pas peur, vous n'allez pas mourir. Top 6. Busch Garden, Tampa, aux États-Unis. Souvent vu comme l'un des plus beaux parcs d'attractions du monde pour la splendeur de ses paysages, le Busch Garden a su se différencier de ses concurrents. Dédié à la savane africaine, il ne se contente pas de simples décors en papier mâché. Il vous emmène dans un vrai safari où éléphants, gorilles et guépards se laissent observer sagement. Gentiment. Si vous préférez les sensations fortes, le parc a aussi un bon nombre de grands 8 spectaculaires pour vous faire de belles frayeurs. Top 5. The Holy Land Experience. Orlando, aux États-Unis. The Holy Land Experience remporte incontestablement le prix du parc le plus douteux et déstabilisant. Comme son équivalent argentin, Tierra Santa, il retraça la vie du Christ grâce à différentes attractions. Vous assisterez à la scène flagellation, mais le clou du spectacle est la crucifixion entre elles. Ce show assez sanglant laisse les spectateurs ébahis. L'intérêt principal de ce parc est l'importante collection de bibles anciennes. Si vous aimez l'histoire
et le Jésus. Et bah, cette attraction vous plaira. Top 4. Easy Venimo Drama. Forêt de Nanmansine en Lituanie. Certains le trouveront glauque, d'autres loufoque. Toujours est-il que ce parc ne laisse personne indifférent. Easy Venimo Drama propose en effet de revivre l'URSS des années 1980. Eh oui, ils sont forts. Ici, tout est vrai. Les acteurs ont par exemple réellement fait partie de l'armée soviétique. Exercice de sécurité, masque à gaz et rationnement des aliments. Voilà le programme des réjouissances. Une récréation historique à découvrir si le cœur vous en dit. Top 3. Ferrari World. Abu Dhabi, Emirates Arabes Unis. Depuis 2010, Abu Dhabi abrite le premier parc à thème dédié entièrement à la célèbre marque de voitures italienne. À l'image d'Abu Dhabi, il s'agit de l'un des parcs les plus modernes de la planète. Vous pourrez bien sûr goûter aux joies de la Formule 1, mais aussi monter à bord du manège la plus rapide du monde, le Formula Rossa, qui atteint les 200 km/h. Attachez vos ceintures, bien évidemment. Top 2. Window on the World. Shenzhen, en Chine, n'est pas réputé pour ses manèges à sensations fortes, mais plutôt pour sa capacité à vous emmener loin, très loin. En effet, ici, tous les voyageurs pourront exaucer leur rêve le plus fou, faire le tour du monde en un seul jour. Et ça, c'est fort. Le parc comprend environ 130 reproductions des monuments les plus visités au monde. Vous pourrez alors passer de la Tour Eiffel au Taj Mahal en seulement quelques minutes. Plusieurs restaurants de différentes cuisines du monde sont aussi à votre disposition pour une totale journée de globe-trotteurs. Top 1, Cedar Point, Sandusky, aux États-Unis. Le Cedar Point est l'un des principaux parcs d'attractions des États-Unis, situé dans l'Ohio, sur une péninsule du lac Erie. Il détient plusieurs records, dont celui du plus grand nombre d'attractions. Au total, 69 manèges, dont 17 montagnes russes, toutes les plus hallucinantes les unes que les autres. Le Millennium Force est la grande star du parc. Il vous emmène à plus de 100 mètres de hauteur pour une balade de 150 km/h. Ici, vous l'aurez compris, pas de parade pour les enfants. Le parc est dédié aux amateurs de sensations fortes, ou même aux experts de sensations fortes. Sur ce, c'est la fin de ce top 10. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce top 10. Et si vous avez d'autres idées de top 10, n'hésitez surtout pas à me les dire. Sur ce, je vous laisse liker et commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.